Au lieu de la question de l'égalité en France, alors on est loin du compte. On a encore beaucoup trop d'écarts entre les salaires entre les femmes et les hommes. On a beaucoup trop de femmes qui meurent sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Et il faut plus que jamais sensibiliser le jeune public à cette question, à la notion de l'égalité et du respect de la femme comme de l'homme. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. Pour moi, il y a trois leviers. Le premier, c'est sensibiliser. Qu'est-ce que c'est que l'égalité? Quelles sont les inégalités qu'il y a encore en France et sur notre territoire? Prévenir les violences sexistes et sexuelles, les violences intrafamiliales, les féminicides. Et ensuite, éduquer. En partant des plus jeunes, dans les écoles, dans les centres de loisirs, faire des actions pour qu'ils puissent comprendre que dès leur plus jeune âge, ils doivent être au fait de l'égalité et faire en sorte qu'elle existe réellement. Avec Jean-Paul Jandon, nous avons souhaité mettre en place un réseau d'acteurs qui va nous permettre de réunir autour d'une même table les élus et les techniciens des 13 communes en vue de travailler sur un projet commun avec des actions concrètes, soit dans le domaine de l'éducation, soit dans celui de la formation des agents. Il est important également de mettre en place un plan de communication pour sensibiliser le public au sens large et avoir une vraie ambition, une véritable ambition pour notre projet et notre réseau Égalité Femmes-Hommes.